Salut les riders et les riders. Nous voici aujourd'hui sur la Rion, le vaisseau amiral, les gars. Là, on a le. Donc, j'ai remplacé la batterie. On a bien le kit RE80, 19 000 watts, les frérots, pour vous dire que ça va envoyer du très très lourd. Donc, je vous avais fait la présentation il y a 2 semaines en arrière. J'avais pas pu faire le test parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Donc, aujourd'hui, bon, hier il a plu. Mais là, c'est faisable. Donc, je vais vous faire le test. Je suis en compagnie de mon abonné qui vient de prendre justement la nanorobot. Donc, il m'a contacté 5 minutes après la vidéo. Et voilà, ben, il a pris la nanorobot à 600 euros et il est très content. Hein? Merci de suivre de loin. Allez, poteau. Donc, du coup, je fais un ride avec mon abonné et en même temps, je vous fais le test de la Rion. Allez, c'est parti, les gars. Alors là, attention, parce que celle-là, elle envoie du lourd. Celle-là, elle fait peur. Pop, 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 pop. Tu peux même pas accélérer, gros. Un missile scud. Wow. Donc, je vais vous parler un peu de la machine. Avant d'envoyer du lourd. Comme ça, je promène un peu avec l'abonné. Ouais, je vous disais, 19 000 watts, 80 volts. Mon ressenti sur la trotte, franchement, c'est... Ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Déjà, parce qu'elle envoie du lourd, j'adore. Elle envoie du très très lourd. Les pneus slick. Donc, pour répondre aussi à vos questions, vous me disiez, ouais, pas de compteur et tout, mais les gars... Déjà, à la base, je vous explique. Mais tu la conduis d'une main tellement elle est stable. Mais déjà, à la base, c'est comme une moto GP. C'est une trotte GP, les gars. Donc, c'est toujours pareil. Que ce soit pour le prix ou quoi, 7000 euros la trotte. Mais c'est pareil, frérot. Tu prends une moto, tu en as à 35 000 euros des motos. Tu en as à 5000 euros, tu en as à 35 000 euros. Voiture, tu en as à 10 000 euros, tu en as à 150 000 euros. C'est toujours pareil. Et deuxièmement... Sachez qu'il y a une application Rion Motor qui va sortir prochainement où justement ça va remplacer le compteur. Donc tu mettras ton téléphone sur le truc si tu as envie ou si tu n'as pas envie, c'est pareil, tu peux le garder dans la poche. Mais je veux dire, tu auras toutes les instructions dessus, c'est-à-dire nombre de kilomètres parcourus, à combien tu roules, le compteur, la batterie, la tension. Tu auras absolument tout via l'application Rion Motor. Donc même ça là-dessus, ils font trop fort. Parce que c'est comme un scooter électrique, le Orcal. Tu as l'application, tu peux tout le démarrer à distance, regarder le nombre de kilomètres, partager tes kilomètres avec les mêmes utilisateurs. Franchement, c'est l'application, c'est vraiment pas mal. Donc, suite à ça, on est sur du full hydraulique Shimano. Ben, de toute façon, vous n'avez qu'à regarder ma présentation de la trottinette. Je vous dis tous les descriptifs dedans. Mon ressenti sur la trotte, eh ben, écoute, j'ai jamais eu une trotte aussi stable. Je sais pas si c'est les pneus slick, le guidon qui est large en carbone ou je sais ou le tout simplement le châssis, mais franchement les gars, c'est impressionnant la tenue de route. Tu es super à l'aise dessus. Elle est, tu as pas d'amortisseur à l'avant par contre, mais les pneus ils font vraiment du bon taf. À l'arrière, tu as des amortisseurs similaires un peu au Dualtron. Hein. Donc c'est vraiment fait pour la route. C'est pas, tu peux rien faire d'autre avec. Hein, ça c'est clair. C'est vraiment une trottinette de course, quoi, en gros. Le seul point négatif pour moi, guidon légèrement non, même bas, par rapport à la puissance, en fait, c'est que tu fais tellement le yo-yo dessus, c'est tellement violent. Tu vois, à part si tu accélères tout doucement, sinon c'est hyper violent. Mais, tu vois... Mais laisse tomber, gros, tu peux. Ouais, donc guidon, je disais le poids à 20 kg, c'est un truc de fou, c'est un truc de psychopathe pour la puissance et la vitesse. Le seul truc pour moi, c'est le guidon légèrement bas pour la puissance. Tu fais en plus, tu fais vachement le yo-yo dessus, donc c'est un peu chaud à gérer en début, mais c'est un coup de main à prendre. Mais à part le guidon légèrement bas, c'est le seul défaut que je lui trouve. Sinon, les gars, vous pétez un plomb. La stabilité du bordel, tout, le freinage, la puissance, la qualité des matériaux, full carbone, ultra légère, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est vraiment impressionnant.
On va se faire une petite axel. Oui, mais toi qui as une 58 volts. Non, 52 pardon, autant pour moi. Toi qui as la 52, tu sais quoi? Pars. Ouais. Je te laisse un peu d'avance. C'est parti fort, hein. Ah ouais, tu as vu comme ça burn? Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pars en premier. Ouais, tu pars, je te laisse un peu d'avance, tu envoies tout à fond. Et moi j'envoie tout à fond. Et je vais voir. Donc là, je le laisse partir. Voilà, c'est bon, là il s'est mis à fond. Là il a bien 50 mètres d'avance, regardez. Oh mais c'est fou le burn. Oh, oh, oh. Mais c'est un missile scud les gars. Mais c'est R1. Mais je suis à 60 et patine. Mais t'es fada toi. Mais c'est un engin de mort les gars. Pa 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 pa. Oh je suis choqué les frérots. Je suis choqué, là tu prends n'importe quelle trotte gros, tu la claques contre un mur gros. N'importe quelle trotte, voire même certaines motos tu les prends en départ arrêté. Ah c'est un truc de... Mais c'est un truc de malade. Ah c'est un truc de fou. C'est un truc... Ah je vais me gaver avec ça. Oh. Oh tu as vu ce machin gros? Attends, je suis passé comme une fusée mais elle patinait gros. À 60, tu accélères, elle patine encore. D'ailleurs, elle a pas suivi. Oh, c'est un truc de dingue. Ah, c'est... Choqué, d'un coup, je t'ai vu. Pff. Voilà, j'ai pas eu le temps de tourner la tête, t'es déjà à 100 mètres. Ah, c'est un truc de fou. C'est, je t'ai dit, c'est certaines motos et tout, tu dois te démonter. Mais même, elle a fait plaisir, tu dois avoir dessus. Ah ouais, mais c'est un kiff. C'est un kiff, gros. C'est un kiff pour les mecs qui aiment les trucs comme moi, hardcore. Laisse tomber, laisse tomber. C'est du full burn. Ah, elle est magnifique, design pour moi c'est la plus belle. Pop, pop, pop. Pou- oh c'est un missile scud. Missile scud de ce que tu veux gros. Les gens ils sont choqués. Les gens ils sont choqués gros. Mais la Clio. La Clio, je te l'ai pensé, gros. Mais t'es fou, frère. Il a pété un plomb avec sa Clio Sport, je l'ai pensé. Et il doit être écœuré, le mec. Il va éclater la voiture contre un mur, il va. Ah, c'est trop. C'est trop, les frérots. Putain, alors là, qui va m'envoyer la 30 000 volts? Mais qu'est-ce que ça va être? 160 km/h en vitesse de pointe. Pouah, comme tu prends les virages. Poum, poum. Ah, c'est trop. Missile atomique, frère. Missile atomique. Pa, choqué. Ah mais là tu prends n'importe quoi. Hein. Bon en même temps tu me diras tu as 3 tenders réunis dans le quart du pot hein, frère. Pour te dire. Hein. Pour te dire le monstre que c'est. Hein. C'est un truc de psychopathe. Oh gros, je suis choqué. Hein. En roulant vite quoi. Hein? Même quand tu traces, elle patine, elle continue à patiner. Ah ouais mais elle full burn. Elle full burn tout le temps. Regarde-moi ça le pneu, il est déjà poncé gros. Tellement c'est un monstre. Ah, mais là gros, je vais les rendre tous fous là. Là je vais te faire des vidéos, ils vont tous péter un plomb. Ma c'est parole. Là, mais heureusement gros. Là, mais attends, tu sais, le patron de Rion, tu sais ce qu'il est en train de me fabriquer? Le nouveau modèle 30 000 volts. 30 000 watts. C'est quoi, c'est 18 ou 19 000 watts, il est en train de me faire à 30 000 watts, 160 km/h en vitesse de pointe. Ah, mais tu fada. Ah mais carrément. Sur circuit et tout. Là, tu vas voir, je vais te prendre les T-Max et tout, je vais te les démonter. Mais ça, déjà, c'est impressionnant parce que toi, tu te vois pas, mais quand tu pars comme ça,
on se calme à un moment donné. Et... Ouais. C'est trop, je te jure, c'est. Attends, je te fais le point. Oh, elle me fait bander cette trotte. Franchement, elle me fait bander. On se fait un selfie là, je mettrai sur le réseau. Vas-y. Ouais. Avec grave tout, frérot. Parce que, franchement, c'est cool ce que tu as fait. Donc, de rien, frérot. Ben, moi aussi, ça fait plaisir. Bon, attends, je finis mon test. Ouais, je vais me faire une petite poussée dans la ligne droite là-bas. Ouais. Je vais descendre où on était. Ouais, tu peux. Hein. Vas-y. Hein. Mais c'est un truc de psychopathe, c'est gros. Ah. Dinguissime. Une dinguerie. Mais c'est GSXR le bordel. Ah maman, c'est un pur kiff les gars, franchement. Cette trotte pour moi c'est. Voilà, c'est une trotte unique. Carrément elle est unique. Là je peux vraiment dire que c'est le genre. C'est vraiment mon coup de cœur quoi. Poids, puissance, finition. Qualité, tenue de route exemplaire, je sais même pas quoi te dire, je l'adore. Le seul défaut c'est guidon un peu trop bas et je suis sûr que vu qu'ils te font tout sur mesure, si ça se trouve tu lui dis que tu es un peu grand ou quoi, attends, il te monte le guidon. Mais c'est vraiment la seule et unique réflexion que je pourrais faire à cette trotte. Hauteur de guidon pour 1m80. C'est tout. Sinon. Le reste, il n'y a rien à dire. Niveau perf, tout est là. Tenue de route, tout est là. Stabilité, tout est là. Puissance, plus que tout est là. On va faire une petite vitesse de pointe là sur route fermée. Pour tester la vitesse de pointe. Ça fait là. C'est démoniaque! Mais c'est démoniaque! Ah non! Ils s'affolent les gens, ils s'affolent! Ah, y'a de quoi gros, y'a de quoi! Un fin le truc. J'ai pas de mots les frérots, j'ai pas de mots. Franchement j'ai pas de mots. C'est dinguissime. Dinguissime. Les gens, les chauffeurs de la RTM, ils se sont envolés gros. Comme ils ont pété un plomb, les chauffeurs de la RTM, ils sont restés choqués, gros. Comme ça, ils étaient. Je suis mort. Je suis mort, gros. Allez, c'est parti, on arrache le goudron. On arrache tout. La stabilité, gros. Maman, c'est trop. C'est trop. Mais c'est trop, regarde, j'ai mis un kilomètre. Mamma mia, madre mia, tu es fou toi, mais tu es fou. On arrache tout, madame. Papa. C'est un monstre. Trottinette GP. Ah ouais, c'est des trottinettes de course. C'est la roue arrière qui. Deux roues, double moteur. Ouais, c'est avant et arrière. Ah ouais. Affolant. C'est la bombe. Ah, c'est affolant.
ça fout là, c'est pour ça que j'ai fait fermer la route et tout. Hein? Ah, j'ai fait fermer la route là. Parce que normalement là, vous devez pas être là. Eh ouais, j'ai fermé la route en bas. C'est la route à mon oncle, gros. C'est la route à mon oncle, gros. Je sais. Il s'affole, votre collègue. Ouais, à l'avance, hein. À l'avance, c'est un truc de fou. Je suis en train de la tester, je m'affole. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que j'ai mis le sifflet de conné pour écarter le chemin. Ouais, double moteur, 19000 watts. Combien vous? 7000 euros. La tête des couilles, ça la refroidit, crash. Le T-Max, attends. T-Max, mais tu sais quoi, même en démarrage, je crois que tu le fumes, le T-Max. Le BMW, là, il marche fort. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Marche très très fort, le scooter électrique. Mais le pire, c'est la... La 0 SRF. C'est Ducati qui l'a... Ben moi en fait c'est simple, je suis youtubeur, hein. Je suis spécialisé dans les produits électriques. Hein. J'ai pris la SRF de chez Zero, c'est le designer Ducati. Sur la vidéo, le 650 Sport, je te le massacre. Et la BMG S1200, je te la massacre. C'est un truc de fou, truc de fou. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. Parce que l'électricité, t'as la puissance tout de suite. Ouais, ouais, c'est du cash. Ouais, ouais, c'est ça. Et bon, après, faut être prudent quand même. Oui, ben regarde, je suis ganté, casqué et tout. Ah ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Allez, bon dimanche, hein, les gars. Ciao. Maman. Un cabre tout seul, gros, un cabre. Ah, mais c'est un missile, gros. Faut voir si tu peux cabrer un peu avec, gros. Wouah! Aïe! Ah mais c'est trop violent en fait! Rien! Rien! Si tu m'entends, tu me fais bander, gros! Me fais bander, l'américain! Ah, Rion Motor, bougez-vous le cul de m'envoyer la 30000 watts! Que je m'affole, les gars. Que je m'affole, que je devienne fou, que j'en peux plus, là. 90 jours d'attente, ils m'ont dit. C'est une punition, c'est. Une punition, gros. Ah, ça y est, la batterie, elle a baissé de... Elle a baissé de puissance, tu le sens. Mais, j'arrive même pas à accélérer plus. Elle peut aller beaucoup plus vite, hein. Mais c'est que là, tu arrives trop vite dans le virage. C'est dingue, dingue, les gars. Dingue. Oh, l'autre, je le vois même plus, l'abonné. Oh, l'abonné. Oh, Ah, mais gros, il me languit de vous faire les tests. VS Thunder, VS X. Tout ce que tu veux, là, ça fait pas le poids. Hein. Ça, c'est certain. Là, écoute-moi, il n'y a aucune trottinette qui fait le poids contre ça. Non, aucune. Okay. C'est la plus puissante du monde, t'es fou. Mais tu as toute la patate de suite en fait. Boum. Ah ouais, ouais. Oh, je suis parti dans la montée, elle s'est levée. Elle s'est levée à l'axel. Comme une moto, comme un GSXR, gros. Tu vas avoir la 2 là. Parce que quand tu pars, tous les jeunes, tout le monde est choqué. Mais heureusement que tout le monde est choqué, hein, full burn. C'est le bruit qui est affolant. Et ça part comme ça. C'est un truc de fou, gros. C'est un truc de fou. Ah, même moi je suis choqué, gros, j'en ai testé des millions, je suis choqué. C'est toi qui l'as monté sur le trottinette ou pas? Oh, tu me filmes en plus! Hein? Non, j'envoie un collègue. Ouais. Non, c'est les Ricains. C'est Rion Motor. Ah, c'est aux States. À 120, tu montes avec? Elle monte 120, là ils sont en train de sortir un modèle 160. Aussi. Ouais, eh ouais. Allez, ciao. Ciao, fais attention. Ouais, ouais, merci. Toi aussi en camionnette, attention. Ciao. Ouais. Bon, allez, on arrête les conneries. Là, je vous ai fait... Je l'ai pas poussé à fond, mais bon, je pense qu'elle doit vraiment marcher. 110, 120, gros.
On arrache tout. Mais tu es fou, loulouloulou. Mais c'est un pur kiff, gros. Rion, bouge-toi le cul de m'envoyer ça, que tous les jours, je te fais une vidéo, gros. Tous les jours. Alors là... Pas là, là. J'attends d'avoir un peu de temps pour faire... parce que moi, vous savez qu'à la base, je faisais des VS dans la rue, moi, comme ça, à l'arrache. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et là, il me languit d'avoir un peu de temps pour moi, juste pour partir en ville, les rendre fous. Tirer la bourre contre des 2,5, des 125, les T-Max. Je vais tous te les rendre fous. Restez vraiment connectés, les gars. Vous allez péter les plombs, ce que je vais vous sortir. Hein. Je vais te cramer des figures, là. Là, je vais tout cramer. Hein. Mec, cabre à l'accel, gros. Mais tu es fou. Mais tu es fou. Mais tu es fou, j'en peux plus, gros. J'en peux plus de cette trotte. Elle me rend hystérique. Mais alors, ces pneus, c'est un bijou aussi. Ces pneus, sa tenue de route. Il n'y a pas un brin de guidonnage, les gars. Combien j'étais, mais tu guidonnes pas, gros. J'ai pas de compteur, mais j'étais à rien qui bouge. Elle est hyper stable, cette putain de trotte. C'est un truc de fou, le bordel. Il n'y a rien qui guidonne, rien qui bouge. Le frein, c'est un bonheur. Le tenue de route, tout, tout, tout. Et tu as vu comme elle est vachement haute. Regarde le deck. Mets la tienne à côté. Déjà que la tienne, elle est pas basse à la base. Ben ouais, je sais. Mais c'est un monstre. Eh, ça. C'est un monstre. Bah. Les gars, laissez tomber. Laissez tomber, là, c'est carton rouge, les gars. Carton rouge. Tu es fou, toi. Et puis ce freinage. Shimano haut de gamme, comme ça, XT. Là, franchement, là... Rion, laisse tomber. Hein. Enfin, Rion, c'est... Ah ouais, c'est vraiment la Tesla des trottinettes. Hein. Même pas, c'est une moto GP, c'est trottinette GP des trottinettes. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, incroyable. Ah, je l'aurais fait essayer, mais j'ai peur que tu te tues avec. Hein. Non, c'est pas grave. Déjà que je m'habitue à ça, déjà. Ouais, parce que je sais pas si tu te tues pas si je te fais essayer ça. Franchement, avec ton poids et tout, je crois que tu t'envoles. Ah, direct, tu t'envoles, je crois. T'envoles direct. Ouais, 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 surtout si c'est ta première trotte, laisse tomber. Mais ouais, ouais, j'ai vu, tout à l'heure quand tu es parti, tu m'as fait peur, là, ça va beaucoup mieux, là. Il faut toujours un temps d'adaptation, gros. Ouais, là, tu es mieux, là, déjà. Bientôt aussi, je devrais recevoir la Wiped SS. Alors là, attention, ça va être la rivale de la Rion, les gars. Accrochez-vous, ils sont en train de la fabriquer, ils vont me l'envoyer aussi, c'est pour ça que je bande. Contrôleur de 420 ampères, les gars. Il m'a envoyé les stats, le coréen. Je me suis affolé. Donc, j'ai sympathisé aussi avec le patron de chez Wiped qui doivent m'envoyer la nouvelle Wiped SS que j'étais même pas au courant. Je connaissais que la RR, moi, qui était bien, que je voulais avoir. Mais là, il m'a envoyé la SS, donc contrôleur 420 ampères. C'est du 80 volts aussi. 19 000 watts, donc la même puissance que j'ai là sur la trotte à l'heure actuelle. Ça va être vraiment un monstre. Ils m'ont dit que c'était pour concurrencer justement la Rion. Mais bon, sauf que Rion, là, derrière, il te sortait une 30 000 watts. Putain, on va y arriver, gros. Ah, tellement je suis choqué, j'arrive plus à parler. Donc, je vais vraiment kiffer. On voit même d'une main, elle est hyper stable, la trotte. Elle bouge pas. Je vais vous faire plein de tests de VS contre les motos, les scooters, parce que là, tu peux envoyer du lourd, même certaines voitures. D'ailleurs, je sais même pas, comme je l'ai quillé, la Clio Sport, je l'ai quillé. Enfin, j'ai mis un coup d'accel, il a rien compris, le mec. Même, tu vois, là, elle est cabossée, la route. Eh ben, ça passe. Hein. Même sur la route cabossée, ça passe. Hein. C'est impressionnant, impressionnant. L'arrière, il est quand même souple. Hein. Je sais même pas s'il est même pas plus souple qu'une Dual Tron. Gros, c'est là-bas la route. Hein. C'est un Vada, lui. Ouais. Par contre, l'autonomie, je sais pas ce que ça donne encore, les gars. Ça, il faudra que je voie. Mais à mon avis, bon, à fond, tu dois pas faire grand-chose. Hein. À fond, je pense que tu dois faire 20 bornes.
En roulant tranquille, tu peux peut-être faire les 40, je pense. Mais bon, de toute façon, ça c'est une trotte pour envoyer. Donc, à mon avis, tu fais 20 bornes et il n'y a plus rien. Hein. Ça, après, c'est mon avis. Je sais pas encore. Hein. C'est mon deuxième test avec. Hein. Donc, je peux réellement pas vous dire encore le truc. Mais je ferai un test sur l'autonomie aussi. Où je la prendrai une journée. Je vais tourner avec jusqu'à ce qu'elle canne. Comme ça, au moins, on saura. Mais c'est vraiment un réel plaisir de conduire cette trotte. Les gens, ils s'affolent que ça soit pour le bruit qu'elle fait, parce que c'est, elle fait que patiner, c'est hallucinant, elle fait que couiner la trotte. Et c'est surtout son design, il est magnifique, il est hyper grassé, hyper agressif. Elle est hyper légère. C'est un truc de psychopathe, gros. C'est un truc de fou. Ils ont fait vraiment, vraiment fort, Rion. Vraiment chapeau. Vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, là je crame tout là pour de bon. Pour de bon, ben. Oh oh oh, marche fort lui. Boah boah boah, le freinage. Direct. Ah ouais, ah ouais, ça va trop vite. Oh. Ça va trop vite. Le reste, c'est du full burn, les gars. Full burn, c'est même pas la peine. C'est vraiment mon coup de cœur. Sur ce, je vous ferai plein de tests, comme je vous ai dit dans la vidéo, dessus. Des comparatifs de fou dessus, sur, avec les plus grosses trottes. Et surtout des VS dans la rue. Parce que ça, c'est vraiment mon kiff, j'adore, je me régale à faire ça en plus. Avec la Thunder, je l'ai déjà fait plein de fois. Sur ce, on pousse Blue, on like tout et on crame tout, les frérots. Je vous dis à très très bientôt pour du sale, pour des sales vidéos. N'oubliez pas mon Insta, crame tout, tiré du bas 13. Pour les gamers, Twitch, pas Twitter les gars, parce qu'il y en a qui se trompent, Twitch. Twitch pour les gamers, crame tout tout court, et Facebook, crame tout les frérots. Donc elle est disponible chez Webot en vente. Je vous mets le lien en bas de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, et le test de le unboxing de la Compact arrive les frérots. Allez, je vous dis très très bon week-end, et à très très bientôt. Hein frérot, allez, à la prochaine les frérots. Ciao, ciao les riders. On crame tout, hein.